Amis du jour, bonjour et bienvenue sur la Nomor TV. Vous êtes en compagnie de Sparta pour un nouvel épisode de nos aventures avec Talion. Précédemment, on s'est arrêté, on avait de plus en plus de visions d'Arachné qui nous expliquait qu'en gros Mina City allait être attaquée, qu'il y avait un assassin qui voulait tuer Idril, la fille du général, donc on a évité ça, et on est toujours un peu à la recherche d'informations sur ce qui se passe. Chaque l'assassin. Ah, on l'a. Ah non, mais c'en est un autre qui s'appelle comme ça. Ok. Donc, on va essayer de continuer l'histoire principale, Terre sans hommes. On va aller là, on va voir un petit peu ce qui nous attend. Un combat ne se remporte pas uniquement sur le front. C'est vrai. Si on tue les soldats dans leur campement, il n'y aura personne qui nous attaquera. En avant, on va tuer de l'orque. Oh oui, on va buter de l'orque. J'adore tuer de l'orque. T'as entendu ça ? Salut, on va prendre des infos et puis on va se barrer. Oui, j'arrive au milieu, je bouscule, je fais salut, pardon, je fais que passer. Alors, on va prendre des infos sur ce capitaine là. Oh, il est à cheval sur un Caragor. Vulnérable aux exécutions, il est chétif. Ouais, bon, d'accord. Il est un peu chiant, lui, en gros. Et paf, pastèque. On s'arrête pas, on s'en fout. On accélère. On va direct faire la quête, on n'a pas le temps de niaiser, on pexera à notre moment. Sur la map, faut aller à droite, faut aller à gauche. Ouais, on va aller par la gauche. Alors, un petit bond par-dessus le caillou, hop, on fait une petite accélération. Mais. Très bien. Ouais, vite fait, ça a bougé. Vite fait. Avant de commencer, on va juste se placer peut-être des petits points. Ouais, des améliorations, tout ça. Ok, exécution, parce qu'on l'a toujours pas pris, l'exec, c'est quand même hyper important. Vous gagnez à chaque fois que vous subissez des dégâts au combat. Ma foi, c'est pas dégueulasse. Spectre, ouais, c'est pas mal. Alors, on peut faire exploser les feux de camp, c'est pas mal. On peut balancer des dagues, c'est pas mal aussi. Le reste, on avisera. Les forces de Sauron continuent de croître. Les Gondoriens vont devoir pénétrer au cœur du Mordor. On s'en fout, hein, on est devant eux. Salut! On fait la quête! Terre sans hommes, l'armée orque lance ses attaques depuis Cirithon Gol avec Baranor. Faites rugir les combats au Mordor. Aou! Baranor, vous ne pouvez pas être à court d'orques dans la ville. Il en reste quelques-uns, mais nous en chassons un en particulier. Le dernier garde du corps du chef de guerre qui mène le siège. Ah oui! Les chefs de guerre sont des orques très puissants, souvent protégés par des capitaines. Vous pouvez commencer par identifier et traquer ces gardes du corps pour faciliter grandement l'élimination du chef de guerre. Ouais, donc en gros, soit vous allez buter le chef de guerre, mais à ce moment-là, si vous n'avez pas tué ses lieutenants avant, ben vous affrontez le chef de guerre plus tous les capitaines lieutenants qui sont autour de lui. Soit vous déblayez le terrain en allant les tuer individuellement là où ils sont, comme ça quand vous attaquez le chef de guerre, il n'a plus personne pour l'aider. Ah, et on voit, ben, c'est pour ça tout à l'heure, j'avais vu qu'il y avait un lien avec lui. Je m'étais dit, ça serait intéressant d'avoir des infos. Mais le problème, c'est que. Bah, il est pas super vulnérable à beaucoup de choses. Nous cherchons le même orc. Et pour atteindre le chef de guerre, il faut tuer. Faire 5 éliminations furtives de Baranor et trouver la piste du garde. Je vous suis. D'accord. Hors d'élimination, en gros, quand on appuie sur 2, l'allié va attaquer la cible. Très bien. Donc là, tu vas aller le tuer, quoi. Oh là là, c'est beau. Oh, il lui a mis, mais alors, pleine tête. Le
ça? Ah, tu fais pas de bruit. Tu fais pas de bruit. Chut, 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 chut. S'il le tue pas, je lui mets un coup d'arc dans la gueule. Quoi, il l'a pas vu passer, sérieusement? Putain, je l'avais pas vu dans le... Ils sont où là les mecs? Un cadavre! Et c'est un des nôtres! Ah non! Ah oui, là on est hors zone! Je t'ai offert la vérité! Donc, moralité, quand on vous dit vous êtes en train de quitter la zone, reculez vraiment parce qu'en gros ça veut dire que vraiment vous êtes en train de sortir. Ok, 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 j'ai compris le jeu, j'ai compris, j'ai compris! Pas de problème! On va buter les orques, tu me dis où il faut aller! La piste. Alors la piste elle est où? Ah, il faut suivre le point jaune. L'attaque sur la ville moyenne. Oh, ça c'est un gros pipi ça. Je sens quelque chose. Oh là là, quelle équipe. Je suis quand même partisan là pour faciliter la quête. Alors toi tu fais celui de droite, moi je fais celui de gauche. Là on est plutôt pas mal. Donc on ne va pas vers la droite, on a compris. Pour le condor. Oh là là, le mec. Donc on va par là avant qu'on nous redise gna gna gna. Alors examinez l'indice. Ces traces sont fraîches. Je suis sûr que si on va par là, voilà, j'ai bien identifié la piste. Celui de droite, je fais celui de gauche. Salut! Oh là là, mais quel tandem! Oh mais là là! Allez, on recommence parce que nous on est des guerrieros. Toi, tu fais celui de droite. T'as entendu ça? Non, t'as rien entendu. T'as rien entendu. Fais dodo. Y'a pas de chef là? Non, y'en a toujours pas. Je fais celui de droite, je fais celui de gauche. Oh là là, mais ce tandem, mais trop fort quoi. Allez, je te laisse le faire, Barano, hein. T'es trop fort. Y'a plus de problème. Toujours pas de méchant? Oh là là! Oh, c'est le lieutenant sur le Caragor! Ah, je l'aime pas, punaise, j'aime pas les mecs sur les dos des Caragors. Pas des flèches, j'aimerais vraiment avoir le max de flèches au cas où. Putain, ça m'inspire définitivement pas du tout. J'ai chevauché une bête de siège. Les selles ne sont pas terribles. J'avais constamment l'impression que j'allais tomber. Oh, on arrive à le faire tomber. Ça c'est une très bonne chose. À le faire tomber du Caragor, mon petit Alion, t'es un champion.
Et bim, l'exécution. Allez. Je plains presque le chef de guerre Kontrak. Il va se sentir seul sans ses gardes du corps. Il ne tardera pas à les rejoindre. Bah, j'ai envie de vous dire, hein, il reste maintenant un chef de guerre à les buter, on va aller le buter, hein. Hop, 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 hein. Le chef de guerre que Baranor cherche n'en est qu'un parmi tant d'autres. Ils continueront à... J'ai ramassé la rune, là. Ah, je savais bien que j'avais pas ramassé la rune. Il faut tous les tuer. Ah, non, mais on va tous les tuer. On va pas en laisser un seul en vie. Alors, non, là, on n'est pas au bon endroit. On va sur la cartounette. La cartounette, elle nous dit quoi? Plus de flèches. Retournez voir Acné pour savoir plus ce qui menace Minas Ithil. Les visions d'Arachné nous révéleront notre voie. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas un petit épée? Oui, alors on va aller voir Arachné, elle est trop forte, elle sait tout, elle voit tout. Elle est unbelievable. Lion. Hop! Le petit saut, hop! Le petit saut, hop! Le petit saut. On court, on court, on court, on s'arrête pas. Ouais, salut les araignées. Je viens voir votre maîtresse. Plus de flèches. Très bien. Parfait. Je serais méfiant envers l'araignée à ta place. Elle ne te montre que ce qu'elle veut. Alors dis-moi ce que tu veux voir. Minas Ithil toujours debout. Oh, mais quel altruisme. Rien de plus? La dernière vision était troublante, n'est-ce pas? Je veux savoir ce que vont me faire les Nazgûl. Prends garde à ce que tu demandes, Rôdeur. Avec la prophétie... Viens le tourment. On prendra la ville à l'aube. Soumets-toi à ton destin. Je sais ce qui t'effraie, Talion. Les visions d'Arachné ne sont pas immuables. Oui, mais il y avait quand même un Nazgûl. On parle d'un Nazgûl, quand même. Le roi sorcier. C'est le pouvoir de domination. L'anneau peut asservir l'esprit des hommes. Que peut-on faire? Il faut faire des sacrifices. Il y aura des pertes. Mais... N'oublions pas notre objectif. Quoi qu'il puisse en coûter. Bien. Bon, alors, donc, si on veut sauver Minas Ithil, faut aller buter le grand chef de guerre, là. Nous pouvons sauver des vies. Si le chef de guerre de ma vision est celui que traquent Baranor et ses hommes, ils auront besoin d'aide. Un chef de guerre n'y changera rien. Pour l'instant, ce chef de guerre est la plus grande menace pour Minas Ithil. Je refuse de rester les bras croisés pendant que Baranor et ses hommes risquent leur vie pour le tuer. Je suis d'accord avec Talion. Il y a un chef de guerre qui va attaquer la ville, on bute le chef de guerre, faut arrêter d'être égoïste. Baranor, je veux aider, car ce chef de guerre ne se laissera pas faire. Nous en avons déjà vaincu, Rôdeur. Je n'ai rien contre une lame de plus. Alors nous l'éliminerons ensemble. Je commence par les archers. Envoyez vos hommes quand la voie sera libre. Ça, c'est bien, ça. Alors... 10 archers, éliminer furtivement les archers. Alors on doit en éliminer les 10 et le bonus c'est en éliminer 4 furtivement. Hop là! Voilà, et d'un furtivement. Le tri est là-bas. Hop! C'était par là.
général, nous travaillons seuls. J'espère que ces archers gondoriens visent bien. Sinon, nous esquiverons des flèches alliées. Ce sont des soldats aguerris. Mais arrête, Celebrimbor, faut faire confiance aussi des fois. Faut croire en ces bons soldats du Gondor. C'est pas des pipolettes, hein. Ils savent se battre. Alors ça, on l'avait pas ramassé. Là, en même temps... Ouais, bon, ben ça, c'est là-haut, on ira le chercher une autre fois. Bon, déjà, on a fait l'objectif bonus. On va même continuer parce que on va se faire une petite mission un peu infiltration, un peu discrète, moins brutale. Je sais, vous me connaissez, j'adore la brutalité, mais là on va être un peu mignon, un peu fin. Je pense que là je peux tuer les trois. Oh putain. Voilà, on parle plus. Rex, les petites araignées vous ramènent à leur mère. Et même pas besoin de monter, vous envoyez le spectre, il tue tout le monde. Ne sous-estime pas des hommes qui se battent pour leur terre. Ce ne sont pas leurs terres. Si, c'est leur terre, faut pas déconner. J'ai envie de voir si en drainant comme ça son âme, je récupère des flèches. Non, j'en récupère pas. On va l'essayer. Il est où l'autre? Il est tout là-bas. Là-bas, c'est loin. C'était le dernier archer. Hey, sniper! Celle-là, elle est pour vous. Atteignez le point. Ah, d'accord. Il faut monter là-haut. Le chef de guerre a élaboré un bon plan. Rien. Non, je monte pas par l'échelle parce que moi je suis un thug. Il faut faire signe aux hommes de Baranor. Coucou. Ah. Oh. Un grand guerrier. Pour un grand champion du Gondor. C'est les réduire en miettes. Ensemble. Nous, les capitaines et chefs de guerre, il y a du monde, hein. On remportera la victoire. Ensemble, on... Ah, des petits soldats gondoriens, fin volonté pour le Gondor. Maintenant, c'est le moment de frapper. Est-ce qu'il y a des trucs qui explosent, là? Oh, il y a des cages de Caragor. Putain, j'ai plus de flèches. J'ai plus de flèches. Nouveau ennemi, les sauvages. Les sauvages contre les attaques normales venant de l'avant. Appuyez sur eux pour les étourdir avant de les attaquer. Ok, déjà, là a priori, je m'y attendais pas, il y a encore des lieutenants. Tu dois être l'idiot qui a tué mes gardes du corps. Tu ne fais que regarder. Je croyais qu'il n'y avait pas d'autres lieutenants. A priori, il y en a d'autres. Dans mon gosier, et je boirai le tien en premier. Pourquoi est-ce qu'il ne crie pas? Il faut s'y mettre. Alors, j'avais commencé à l'attaquer lui, donc on va essayer de le terminer lui rapidement. Ouh, il est quasiment mort. Ok. On est en train de beaucoup trop s'amuser. Pour que je te laisse mettre fin à la fête. Oh, un trompe-la-mort. Fais chier. Merde. Putain, il est quasiment mort.
Allez, il est quasiment mort, c'était chiant. Bon, au moins il y en a un qu'on a buté. Au suivant. Ouh, il y a une belle arme. À devenir un peu chaud patate là. Ah mais c'est lui qui me balance des saloperies. Ah oui merde, ils me l'ont dit. Les sauvages en frontal. Putain ça fait chier. Alors là on vient de prendre un up qui nous vient nous rendre des points de vie. Et on va pas... Ah oui c'est vrai, en frontal ça marche pas, putain ça m'a pété. Mais je suis con, plus j'insiste. Alors on va essayer de l'étourdir. Voilà, chose faite. Aïe, j'aime pas les coups de boule. Voilà, t'es étourdi. Là, il se prend beaucoup de flèches quand même. Après, on a bien déblayé. Tiens, la dague. On avait bien déblayé la zone. Putain, c'était chaud quand même. Disons qu'on est quitte. Une bonne chasse. Le chef de guerre n'a pas dû aimer. Ni ses archers. Vous reviendrez chasser? Oui, avec grand plaisir. J'adore la chasse. Alors, Talion. A-t-on changé quelque chose? Certaines choses nous échappent. Rendons visite à Arachné. Si j'accepte de retourner là-bas, c'est seulement pour mon anneau. Assez! Tout ça dépasse ton anneau de malheur! Ou toi! Ces visions pourraient nous sauver la vie à tous! Il y a un petit froid entre Celebrimbor et Talion. Bon, plutôt pas mal. On a zigouillé de l'orque, on a même zigouillé un capitaine. On a été plutôt efficace. Je vous propose qu'on fasse une petite pause là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le faire savoir. Hein. Des petits pouces bleus, des commentaires, un abo. Et... je vous annonce, à mon avis, dans le prochain épisode, on va continuer à faire un petit carnage et on va voir ce que la mère Arachné nous réserve comme vision. Allez, à très vite sur la Nomor TV et en attendant, amusez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde !